tout le secret dans cet itinéraire, c'est une sorte d'instabilité. C'est-à-dire, j'étais encore jeune, et la jeunesse, c'est l'état quand on est plein de curiosité, on veut toucher à tout, on veut visiter tout et on veut voir. Et surtout quand on est né dans un monde humble, très basique, presque rural, et on découvre un jour, à l'âge de l'adolescence, un autre monde. Et je me réfère à ma naissance à Asila, qui est une petite ville très ancienne, je dirais même historique, et Tanger, une vitrine à côté à 40 km, où on pouvait avoir le meilleur échantillonnage du monde pendant la guerre et tout de suite après la guerre. Pourquoi après la guerre? Tanger était la porte de l'Afrique et on a été envahi par les derniers cris de la civilisation contemporaine. Le produit, les boissons, le coca, le chewing-gum, les voitures, les klaxons de voitures américaines, la musique, la cigarette. Une ville où on voyait fumer les gens, pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. Alors tout ça, c'était une espèce, comme une sorte, entre guillemets, d'annonciation qu'il y a un monde à découvrir. Donc un monde, un besoin d'émigrer, mais d'émigrer vite pour retourner vite au Maroc et faire quelque chose. Chose qu'aujourd'hui n'existe pas chez les jeunes. Aujourd'hui, c'est immigrer totalement. Oui, c'était le coup de poing pour signifier au public que ce tapis fait partie aussi de ces travaux. Il y avait une similitude entre mes toiles hard edge qui venaient de New York et les tapis que la femme artisan au Maroc a tissé avec ses couleurs, avec ses fils, et la beauté a créé une composition d'une modernité extrême. C'est ça. Ça demande d'un niveau d'intelligence et de compréhension pour saisir ce message. Non, je l'avais à la maison. C'était une descente de lit, de la plus insignifiante. Et finalement, c'était le moment où j'ai commencé l'enseignement à l'école des beaux-arts de Casablanca. J'ai enlevé les plâtres et les fragments classiques qui sont de base pour l'enseignement de l'art et j'ai accroché des tapis ruraux pour les élèves pour s'inspirer dans leur composition de dessin et leur composition chromatique de couleurs. Et j'ai accroché, c'est-à-dire je ne pouvais pas accrocher un bijou, mais comme j'avais créé un laboratoire de photographie à l'école, et là je rends hommage à un artiste qui était le plus compréhensible au monde, lui-même ne savait pas ce qu'il faisait. Il m'a autorisé de créer une chambre noire de photographie à l'école de Casablanca, c'est le défunt Farid Belkaïa. Tout ce que je lui proposais de faire, il l'acceptait, il souscrivait. Et donc, j'ai photographié les bijoux, surtout les bijoux, et les amplifié au kilomètre carré pour que les étudiants fassent une recherche graphique dans les bijoux traditionnels du Maroc. Pour ne pas dire les bijoux berbères, mais dans toutes les populations et les régions marocaines, il y a eu de la bijouterie, mais surtout dans le Souss. Le Souss, c'est même dans le Rif. La modernité existe dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, il y a un côté moderne. Dans la musique, dans la décoration. Seulement, la modernité, dans le terme modernité, on la voit à travers une loupe. Si on utilisait cette loupe, même dans nos traditions anciennes, et ce qui est le cas, et vous allez le voir tout à l'heure, et même dans les pièces que Bert Flint a prêtées, de culture d'abord rurale avant tout, au Maroc, une culture ancestrale où il y a des gestes et des aspects d'une modernité qui te coupent le souffle. Et c'est là le problème est posé. Quand on dit on est moderne, est-ce qu'on a vraiment fait une traversée dans l'histoire et dans la distance? Non. La modernité est chez nous, on est vécu, on est né, mais seulement on ne savait pas comment l'interpréter et la mettre en application. C'est pour cela que si vous regardez tout mon travail, il n'est pas tellement distant de ce qui se produit en Afrique comme forme, comme couleur, comme composition.